Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Aperophobia. On est sur Roblox, les gars. C'est un jeu Roblox qui parle un peu des backrooms, tu vois. Mais normalement, ça devrait le faire. Alors, on n'a absolument pas eu recours à des, à des améliorations de gameplay ou quoi. On a fait tout ça au mérite parce qu'on est des gens comme ça, tu vois. On aime la difficulté, tu vois. Et du coup, on est avec Enara. Comment ça va, chérie? Ça va très bien, et toi? En vérité, on est grave saoulés. On est giga saoulés parce que c'est trop dur de se rejoindre. Depuis tout à l'heure, on essaie de se rejoindre. C'est une dinguerie. Ok, oh, on a une flashlight très 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 améliorée, ma foi. Je vois un truc tout là-bas. Je suis en train de zoomer là. Ah, tu vois, tu peux scanner. Attention derrière. Quoi derrière? Ah, il y en a un là. Wesh, ma gueule. Comment tu scannes? Il t'a niqué? Ouais. Mais qu'est-ce que je peux faire pour la voir? Ouah, sa grand-mère. Chérie, je crois que je vais me faire allumer. Quel est le but du jeu en fait? Bah, en fait, c'est ça que je te demandais. 8 vies, il nous reste 8 vies, frérot. Oui, comment on va faire? T'es où, chérie? Tu vas mourir là? Non, il y en a. Ah, oh, le salopard! Oh non, 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 il fait trop fluide. Alors, voilà, il me clair. Moi, je me suis perdu. Hein. Bah, chérie, il faut pas se perdre. Règle numéro 1 dans les backrooms, il faut pas se perdre. Oh non, il arrive pour Marassir. Il arrive pour moi, il arrive pour moi. Mais laisse-moi tranquille! Mais il est fait sur Paint en plus, celui-là! Non, mais en plus, on a des giga améliorations, chérie. Normalement, on est censé pouvoir leur échapper. Oh là là là. Mais chérie, moi, je suis au début là. T'es où, toi? Je sais pas. En fait, ça te fait respawn là où t'es mort, je crois. Ouh là 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 là. Là, je suis en train de me faire courser ma rage. Est-ce compliqué, Ted? J'ai mal aux oreilles! Mais arrête, frérot! Elle sert à quoi la caméra à la base? J'ai aucune idée, moi je fais juste, je scanne et je cours. Mais comment tu scannes? Avec la gâchette gauche. Tu scannes et tu vois en fait s'il y a un monstre ou pas. Non mais attends chérie, je crois qu'on relance une game là parce que là on s'est perdu. T'es où? Mais je sais pas chérie, comment tu veux que je te dise? Bah, ah j'ai trouvé une flèche moi aussi, attends. Je vais au niveau de la flèche. Oh là je suis dans un tunnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah je suis avec toi. Comment ça se fait? Ouais je t'ai suivi. Enfin je t'ai suivi, j'ai suivi la flèche quoi, j'ai trouvé. Ça fait trop peur, ça fait trop flipper. Comment on est en train de cavale. Ah mais heureusement on a pris les améliorations, sinon on n'aurait jamais pu s'en sortir. Mais du coup là c'est quoi? C'est le deuxième niveau des backrooms ça ou? Ouais je suppose ouais. Bah, ça serait trop simple. Ouais c'est juste un couloir interminable. Non tranquille chérie. Attention. Dis juste bismillah normalement. Oh voilà, ça c'est le deuxième niveau. Là chérie, dis-toi, on peut se faire flinguer à tout moment. Alors c'est quoi ça? T'as ramassé? Je dois trouver toutes les vannes 6. 6 vannes. Attends, viens, chérie, viens. Il y a de l'eau ici. Et on passe par à gauche. Mais quoi? Casse-toi, viens. Pourquoi casse-toi? T'as vu quelque chose? Mais parce qu'il y a un monstre. Tu vois, il est derrière le truc là. Vas-y, viens. Oh! Oh! Mais chérie, c'est le monstre dans Stranger Things! Oh, il est dégueulasse. Il ressemble à rien. On dirait que c'est un bug. Attention, chérie, il arrive. Ah, j'ai trouvé une vanne pour faire la rotation. Sauf qu'il va m'avoir. Est-ce que je suis dedans là parce que j'arrive pas? Ah, il va nous avoir, chérie! Oh non, je crois qu'il m'a bouffé. Je suis dans son ventre. Il va t'avoir toi aussi, je crois. Ah bah oui. Il nous reste 4 vies. Il faut réacheter les vies, tu crois? C'est compliqué un peu cette histoire. Attends, j'espère trop qu'il va respawn quand même, le méchant. Oh non, il est juste à côté! Et les vannes, il faut les rechauffer. Oh, il arrive pour ta gueule. Hein. Ouais, je sais. Mais comment faire pour le semer, là? C'est dur. Est-ce que t'es avec moi? Attends, je vais scanner. Parce que là, je m'échappe à l'aveuglette. Hein. Je sais pas où je vais. Non, mais il va m'avoir, là. Il t'a eu? Oui, il m'a eu. Oh là 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 là. Cavale, Kenny. Mais il y a un problème! C'est trop éclaté, on l'a. Ça se fait éclater toutes les 2 minutes là, c'est quoi cette histoire? Et moi je suis cassé là. Mon perso il fait que des marches arrière là. Il faut trouver les vannes et les tourner. Ah, je te vois. Il est derrière toi, chérie. Mais on a raté là les vannes là. Mais est-ce que c'est une solution vraiment de les tourner? Ouais, moi je pense qu'il faudrait qu'il y en ait un qui le fasse. Je suis bloqué. Enfin, il faut que tu tournes en fait. Ouais, mais il est là, chérie, tu me dis ça en mode. T'inquiète. C'est bon. Oh, il y a une porte là. Je sais pas où il arrive. Ouais, bah pour l'ouvrir, il faut ouvrir les vannes. Le deuxième niveau des backrooms, ça me rappelle beaucoup. Il y a un jeu que j'avais fait il y a pas longtemps. Comment ça s'appelle déjà? Un truc avec de l'eau, j'avais grave kiffé. Oh, il arrive. Cavale. En vrai, il est simple celui-là. Les autres, ils étaient trop durs. Voilà, trop durs. Et je pense que c'est le seul monstre, tu vois ou pas? Donc là, juste tourner les vannes, tranquille. Et voilà. Mais je trouve qu'il y a des effets assez bien foutus hein, pour un jeu Roblox. Hein. Et il est juste. En là, vrai, ça, hein, ouais, je suis d'accord. Putain, mais je me demande, sans les facilités, comment on aurait fait, wesh? J'ai trouvé un truc. Ouais. Je sais pas. Wesh. Ah ah! Wesh! Attention chérie, il arrive, il est là. Ouais. Alors je sais pas ce qu'on a ramassé, mais apparemment c'est un truc cool. Ah, il arrive là. Mais la caméra, elle sert à quoi en fait? Non, la caméra, franchement, c'est juste pour faire beau. Hein. Juste Zama, voilà. Et il y a quoi là? Il y a un truc. Ah, carrément, elle est par terre celle-là. Oh non, je crois il va m'avoir. Ouais. Attention. Viens, cours là-bas. On y aille. Let's go. C'est la merde. C'est la merde. Faut nager en bas. Eh, vraiment, le jeu, il est éclaté tout. Et tout ça, chérie, la bonne nouvelle, c'est quoi? On est dans un hammam spa.
Voilà. Non, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste deux vies. C'est ça qui est bien, en fait, dans toute cette histoire. C'est qu'en fait, on va devoir recommencer, je pense, tout le jeu. Comment ça, Inara Day? Pourquoi t'es morte? Tu es mort. T'es resté dans l'eau, je crois. What the fuck? Bah, si tu restes dans l'eau, tu peux pas respirer indéfiniment. Donc, mais là, moi, j'avais juste un écran noir. Hein. Ah bon, je croyais que c'était genre une cinématique. Ah non, fallait descendre. Ça chargeait, quoi. Donc là, je me réveille, je crois, dans l'autre niveau. Ah là, je suis dans un autre niveau. Putain, c'est quoi ça? It's really complicated, mais j'ai besoin de toi, chérie. Tu es où? Mais t'es où là? Avec toi. Ah, t'es avec moi. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un mystère très mystérieux. En tout cas, on est dans un appartement. Il y a quelqu'un qui prend sa douche, chérie. Qu'est-ce que c'est non, que ça? Non, j'essaie pas... de voir. Attends, je monte sur les toilettes. C'est je peux pas. C'est du voyeurisme hein, un peu, mais ouais, je suis d'accord. Oh, mais... vas-y, on se taille. Oh, regarde, chérie, là. Mais ça me rappelle exactement comme dans la vidéo. Hein. Il y a la vidéo des backrooms que j'avais regardée. Ouais, de fou. C'était exactement. Ouais, mais ça se voit que le mec s'est inspiré de ça. Je trouve l'ambiance est là. Même la benne à ordures. Et ouais, c'est cool. C'est des grands espaces. Oh, des grands espaces. Ouais, wow, mais c'est exactement comme dans la vidéo. Hein. Ah, j'ai vu un truc rouge en bas. Hein. Wow. Qu'est-ce que t'as fait, chérie? Putain, je suis tombé. Je suis vraiment nul, moi. Attends, ça m'a pas enlevé une vie. Non, ça va, ça m'a pas enlevé une vie. Mais je crois qu'il faut vraiment. Je crois que c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il faut faire, ouais. Mais tu sais qu'à la base, j'étais même pas au niveau du rebord que j'ai glissé, quoi. Vraiment, ça me dégoûte. This way. Et ça dit par ici. Et apparemment, c'est une question, on sait pas trop. Je crois que là, ça peut pas s'ouvrir. Mais ouais, comme t'as dit, je crois que vraiment, là, la cam, elle sert à rien. À part, tu sais, faire un giga. Là-bas, il y a un monstre, tu vois. Faut qu'on trouve un moyen, là, parce que sinon, on va die, hein, chérie. Oh, comment c'est giga grand ici. Du coup, ça dit quoi, là? Je dois activer tous les boutons derrière cette porte. Mais comment ça, tous les boutons derrière cette porte? Je comprends. Oh, il arrive! Il nous a pas vu, le hamar. Viens, on passe. Viens, on passe. Arrête. Il arrive. Oh non, fils de timbre. Mais ça va pas. En plus, t'es chum, ma gueule. Oh, je suis dans un coin, chérie. Oh, c'est horrible. C'est la pire chose qui puisse m'arriver. Ça coûte 40 pièces. Tranquille, je pense que t'as l'argent, non? Ah, on peut se cacher dans les... Il va m'en rester 10 après. On peut se cacher dans les placards. Bah vas-y, prends. Putain, mais ça m'a enlevé du jeu. Alors que j'ai payé les 40 trucs. Hein. Ah, c'est pas grave. Mais bon, le pire, c'est que c'est bien fait, mais c'est très bancal. Il y a beaucoup, beaucoup de bugs. Hein. Bon, c'est un jeu Roblox. Hein. Enfin, j'essaye de me balader un peu. Ouais, essaye de voir ce qu'il faut faire comme ça quand on commence. On sait quoi faire. Salut, ma gueule! I am not scared of you! Attends, je me mets ici, il va pas me choper. Je me mets sur un bureau. Je crois qu'il est allergique à Ikea. Par ici. Eh oh, petit toutou. Little doggy, man. Ah, c'est ouf. Ah, j'ai rien dit, en fait, il est pas allergique. Il faisait semblant. What la haram. La stratégie, elle est incroyable. Ah, bah, t'as vu, là, on est avec un autre kémé. Wesh, ma petite gueule. Eh, dis pas, on est avec un cheater, là, quand même. On est de retour ici. On est avec un inconnu. On sait pas qui c'est, mais apparemment, c'est un vaillant. Et normalement, quand t'as vraiment des amis, tu vois, des amis chers. Ah, t'as vu, lui, il va tout doucement. Allez, viens par là, mon. Ta aussi. Gueule. Allez, ma gueule, voilà. Quoi? Mais comment il est passé à côté en de lui? En fait, il faut marcher tout petit. Ah, en fait, il est genre aveugle. Ah, j'ai c'est cap... dans Stranger Things, en fait. C'est pour ça, en fait. Je me disais, je comprends pas. Nous, on est là, on cavale devant lui et toi, tu siffles. Il fait très, très peur. Non, mais il peut aussi renifler nos fesses, chérie. Il faut que tu le saches. Hein. Et ça, c'est quelque chose de regrettable. Bon, là, je pense qu'il n'y a rien à ramasser. Hein. Il est trop proche de moi, là. Ouh. Mais baisse-toi. Bah, je suis baissé, là. Je crois que je fais quoi? Je dois trouver des clés. Oh non, pourquoi des clés, ma gueule? Faut fouiller les trucs, là, comme il est en train de faire. Oh là là. Qui a sifflé? Voilà, j'ai pas sifflé, mais en fait, il entend. Il entend, en fait, quand tu ouvres des tiroirs. Putain, il va venir, là. Faire gaffe, là. Il a trouvé une clé. Mais arrête de faire du bruit, le hamar! Il est trop con. Regarde, la clé, elle est plus grosse que ses fesses. Oh, j'en ai une. Voilà, j'en ai une. C'est une dinguerie. Attends, mais franchement, ça fait stresser un peu. Hein. Est-ce que tu penses qu'il faut ouvrir toutes les trucs? Genre, même ceux du dessus et tout? Ben oui. Mais tu vois, chérie, quand tu te mets là-haut, t'es un peu en sécurité ici, tu vois ou pas? Là, t'es yam, ma gueule. Bon, on peut sortir d'ici, là. Du coup, chérie, tu peux aussi te cacher dans les armoires. Non. Ben oui. Non, ça va, je pense qu'on est en train de gérer. Oh, oh. Ouh là là. Et les clés, ça. Yé, pourquoi il gueule sa mère? Mais tu te calmes quand même là! Tu te calmes! Oh là, il est juste à côté là, c'est la merde. Hein. C'est muy complicado. Là, on va y arriver par la force de l'amitié. Non, ça va, je trouve, on commence à être des professionnels. Et je pense que c'était une bonne idée de ramener un poteau, tu vois. Ouais, de ouf. Mais par contre, Mskin, le monstre, il fait des heures sup là, hein, le soir là. Tu penses qu'il est payé pour ça là?
C'est une dinguerie. Mais Hamar, arrête de siffler quand même. Mais en fait, il le ramène dans un endroit pour aller chercher dans un autre, tu poses. Et nous, en plus, on l'aide pas, on le laisse dans sa mère. C'est toi, tu l'appelles, frérot, c'est pas mon problème. Tu remarques, on est pas mort une seule fois, hein. Enfin, moi, je suis mort tout à l'heure, hein, du coup. C'est bon, en vrai, il est loin. Quand il est loin de ouf, en vrai, tu peux marcher, hein. Alors, il appelle le frérot, qu'est-ce qu'il veut? Putain, mais il y a grave des bureaux, sa mère, hein. Ah, voilà, je savais, man. I knew it. Il arrive là. Oh, il est pas très loin. Eh, franchement, il est pas débile ce jeu. Je sais pas, en vrai, tu vois. C'est tellement genre, je déconne, il est pas du tout débile. Voilà, c'est pas débile, c'est pas débile. C'est pas débile, ma gueule. Wow, comment... comment j'ai vu ta flippée de... Non, mais je parle du... Wow. Je parle du fait qu'en gros, graphiquement, tout ça, l'univers... Je sais pas, tu vois, c'est trop simplifié, tout ça. C'est mignon, c'est adorable. Et des fois, je me demande si ça a un sens, tout ça, tu vois, mais... En vrai, on se croirait vraiment dans Stranger Things. Il y a un, hein, petit charme. Ouais, non, par contre, ça, je sais pas, mais ouais. Non, mais je veux dire, c'est les mêmes habilités, tu vois, du monstre. Ouais, ouais, ouais. Par contre, là, ouais, je sais pas ce que je suis en train de foutre avec lui. Il veut faire une réunion avec moi, ma gueule, là. Mais je crois qu'on a toutes les clés, là, ou pas? Et hey, j'ai vu une scène digne d'un film. J'ai vu le frérot en train de courir droite à gauche. Enfin, gauche à droite, c'était drôle. Mais du coup, là, je crois qu'on a toutes les clés, là. Hein. Concrètement, je suis mort, chérie. Je crois que je suis mort. Bah là, je vais vers la porte, hein, concrètement. Je vais vers la porte parce que je crois que... Ouais, j'entends que ça sonne. Attention, chérie, te fais pas avoir. Je crois que c'est bon, on a réussi, hein. Attends, est-ce que si je fais ça... Ok, j'ai enlevé un cadenas. Le cadenas, alors... Ah merde, le dernier, je crois, c'est lui qui l'a. Attention, il arrive vers lui. C'est lui qui a... Allez. Ouvre le dernier, ma gueule, à droite. Et le frérot, il comprend pas que je l'ai déjà ouvert. Non. Vas-y. Ici. Et c'est un bot, le mec, avec qui on joue, ou quoi? C'est une dinguerie, quand même. Voilà. Chérie, tu peux venir si tu veux. Je pense que c'est le moment de courir. Si t'as envie de courir, c'est le moment. Non, en vrai, ne cours pas. Non, en fait, chérie, ne cours pas, il est juste là. Oh non, il a eu le frérot. Il l'a terminé, hein. J'ai entendu son sang et tout. C'était. Ouais. Ça a giclé, quoi. Mais non, mais là, par contre, il m'inquiète, là, le frérot. Il a des trajectoires bancales, un peu. Tu penses qu'il va réapparaître, Mskin, ou. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire encore là, concrètement? Ah, ça va, il est de retour, le frérot, il est de retour. Aïe, c'est vraiment un bon gars, en fait. Et j'aime bien cette mission commando là sur Roblox, c'est cool. Là, je pense qu'il faut juste trouver la sortie, tu vois. Parce que là, il y a des giga étagères, trucs comme ça. Je sais pas. Ah, c'est bon, il y a un bouton, en fait. Ah, c'est des boutons, en fait, sur lesquels il faut appuyer, chérie. C'est caché derrière des étagères et tout. Attends, même, carrément, je suis monté sur une étagère. Wallah. Oh là, c'est incroyable, en vrai. Ce niveau, il est un peu long, hein. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. C'est des boutons rouges. Après, quand t'appuies dessus, ça change de couleur. Je suppose, quand tu trouves le dernier, bah, c'est bon, hein. Attends, je vais courir, hein. Parce que là, wallah, c'est trop long. C'est loin, sa mère. Ah, il y en a un, carrément, c'est dans un tiroir. Wesh. Quoi? Wallah, carrément, c'est dans les tiroirs. Mais c'est ouvert. Faut pas, genre, fouiller, tu vois, ou pas. Hop là. En plus, je me sens en sécurité ici parce que je me dis que il va pas passer en dessous des étagères, tu vois, ou pas? Non, les choses se passent. Non, en vrai, c'est easy. Il arrive vers toi, hein. Ouais, il m'a entendu, je crois. Mais il peut pas passer à travers toutes ces structures, de toute manière. Mais en fait, parce que je suis rentré dans une pièce et je sais pas où il est le bouton, quoi. Je sais même pas si on a un tout court. Putain, je crois qu'il est en haut. Quoi? Oh, j'ai eu trop peur. J'ai cru qu'il allait m'avoir. Bah écoute, je suis rentré dans cette pièce en vrai, mais c'est trop chaud. Je crois qu'il reste une dernière pièce là-bas qu'on n'a pas vue. Putain, il vient vers moi. Non. Putain, il y a le téléphone qui sonne là. J'ai envie de courir à la pièce là. De toute façon, il est pas plus rapide que nous, hein. Oh non, il vient vers moi. Pourquoi son cœur, il bat bizarre là? C'est qui a fait un bouton, c'est toi? C'est moi. Bah, on n'a pas tous les boutons là? Non, il en reste encore un autre. Faire troquer un bouton ici là. Alors là, c'est un enchaînement d'étagères, de bureaux. C'est une dinguerie. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a un bouton. Je t'en supplie, dis-moi qu'il y a un bouton, ma gueule. Ah, oh, c'est bon! J'ai sauvé la team! T'as entendu ou pas? Ouais, mais il arrive en fait. Là, je suis en train de l'appeler, là, carrément, je suis en train de l'appeler. Allez, viens par là, petit con. Ah, il vient vers moi, en plus, là, ça a marché. Mais du coup, je suis un peu dans la merde. Je crois qu'il faut courir, là, hein. Vas-y, je cours. Vas-y, moi aussi, je cours, là. Oh, non, fais gaffe, il va vite, en vrai. Oh là là, il va vite. Suis-moi, chérie, suis-moi. Je crois que c'est là. Où est la porte, en fait, ici? Il est où, le frérot? Je sais pas. Il est parti loin, je le vois plus. Sinon, ça veut juste dire qu'il a quitté. Il a préféré nous laisser galérer. Oh, tu crois qu'il faut revenir à la truc à la base? Ah, c'était là, derrière. C'était je derrière. Je crois que le mec, il a réussi, donc c'est bon. Ah, tu nous as libérés, le frérot. Oh, encore, on est dans un hammam. J'adore ça, chérie. Je kiffe trop. Tu crois qu'il a les améliorations comme nous? En vrai, je crois, hein, parce qu'il court vite quand même, hein. Ouais, je pense que ouais. Ah non, quoique, t'es en train de le tracer. Ah, lui aussi, il kiffe l'eau comme nous. Ça fait plaisir. Non, franchement, Roblox, la vérité, bonne expérience. Je sais pas, t'aimes pas, toi? Non, si, j'aime bien. Ouais, j'adore les endroits comme ça. Même dans la vraie vie, je te jure, je kifferais. C'est bizarre ce que je dis. Je sais pas, je trouve ça épuré. Peut-être plus un truc assez ouvert, tu vois. C'est agréable, il y a quelque chose qui se passe. Là, du coup, ça va être qui? Ça va être des masseurs?
des monstres. C'est un sport. Mais des masseurs, tu sais, des masseurs du bled, hein, des masseurs, ils t'attaquent en fait. C'est trop chelou. Il y aura encore un système de van ou je sais pas quoi, ou c'est vraiment un bordel. Hein. Ok, moi je suis à un endroit là et je sais pas où je vais. Ah, c'est bien, c'est là où il faut partir. Dinguerie, j'ai trouvé, chérie. Oh, t'es trop fort. Non, je suis pas fort, c'est juste que j'ai eu de la chance. Faut savoir que sans toi, je l'aurais pas fait. Arrête. Ah, il m'a envoyé une demande d'ami, le frérot. Bien sûr, j'accepte. Plus tard, Roya, plus tard. Soyons professionnels. Qu'est-ce que c'est dans le noir? Je sais pas. Tu sais qu'au début, j'ai cru que c'était des bois, ça. Et quand, enfin, en gros, comme une forêt, qu'on était dans, avec un Slender ou quoi. Mais je pense pas que Slender est lié aux Backrooms. Hein. Quoique, on peut trouver tout type d'entité en vrai, je pense. C'est comme un multivers de monstres, j'ai envie de dire. Là, c'est trop cool, du coup, on s'est trouvé un ami. Mmh. Un ami sur Roblox, frérot. Ah, bah, chérie, c'est comme ça qu'il a dû construire le laboratoire souterrain dans Breaking Bad. Je savais pas qu'il avait fait ça, le frère. Si vous avez la ref, vous êtes des gens de goût. Si vous avez pas la ref... Et venez là où je suis. Y a quoi? Y a intérêt à ce que ce soit quelque chose de très bien. Mais là, on peut se perdre facile, hein. Ah, et tu crois... Oh ah, je suis en raid. Il m'a explosé. Je suis tombé sur un fantôme. Mais y a ton fantôme, là, du coup. C'est pas mon fantôme, chérie. Hein. Faut que tu l'évites. Ah. C'est pas mon fantôme, c'est un méchant, ça. Oh, mon Dieu. Moi aussi, je pensais que c'était vous. Mais maintenant, y a vos deux fantômes. T'es sûr? Bah oui, il a tué l'autre. A crème skin. Mais tu sais qu'ils sont violents. Il m'a explosé ma race. Au début, j'ai vu un truc bouger dans tous les sens. Je me dis, c'est quoi, ça? Scan, parce qu'il y a un quemé, là. Ouais, en je fait, vois. C'est le fantôme, du coup. C'est le fantôme de du frérot. Bah, en fait, c'est ton fantôme qui a tué le frérot. C'est bizarre, cette histoire. C'est des âmes égarées, tu crois? Ah, il est là-bas, l'autre. Il a respawn. On appelle la meuf de Ghost Whisperer, elle va nous aider. Tu le vois ou pas? On passe par là, je pense qu'il y a moyen d'échapper à ce monstre. Ah, il est derrière nous, fais gaffe. Ouais, il est là. Putain, mais c'est... Ah, il arrive vers toi, il arrive vers toi! Non! Il va m'exploser, chérie. Comment t'es passé? Cours, toi, wesh. Bah, baisse-toi et cours ta race. Faut que je perde des kilos, chérie. C'est bon, j'ai pu passer dans le trou, chérie. Je crois qu'apparemment, notre plan régime, ça a marché. Mais on est trop séparés du mec, je crois. Hein. Mais la sortie de ça, ça peut être qu'un gros trou dans le mur, un truc comme ça, c'est pas possible, chérie. Et là, on peut passer dans les pics ou ça va me niquer, en fait. Non, va pas là, va pas là. Oh, j'ai cru voir un truc, oh, j'ai eu peur. Je crois que là, on tient quelque chose. Putain, mais c'est interminable, hein. Là. Par contre, le pauvre, on l'a abandonné, hein. On l'a abandonné de fou, hein. Y a aucun esprit d'équipe. Regarde, celui-là, il est à l'envers, lui. Ah ouais. Bizarre. Putain, je suis totalement perdu là. Mais en plus, je viens de comprendre, c'est procédural. Ça veut dire vraiment, c'est au fur et à mesure, c'est aléatoire. Et faut juste qu'on sache comment régler le truc. Par contre, le mec, vraiment, on l'a perdu. Je crois qu'il est même plus là. Non, mais il est plus là, il est plus dans la game. Je crois qu'il a quitté, il s'est dit c'est trop compliqué. Donc là, c'est vraiment que toi et moi versus le monde, chérie. Comme dans la vie de tous les jours. Hein. Ah, chérie, il y a un truc là. Oh là, il y a un truc, je sais pas si c'est un monstre. Ah ouais, il y a un truc violet. Ouais, mais je sais pas ce que c'est. Oh, je crois que c'est notre truc de sortie. Ouais. Oh là, okay. Et franchement... Oh, c'est une galère. Ah ouais, c'était c'est pas simple. C'est une giga galère. Mais en plus, c'est que je crois qu'il y a 10 niveaux en tout. Oh, ah oh, c'est quoi ce truc? Oh, Starfall là. Chérie, te retourne pas. Oh, Audoubillah. Oh, Audoubillah. Waouh. Oh, il est stylé, mais il fait peur. Il fait trop peur. Waouh. Waouh, lâche. Oh, mon Dieu. Oh, non. T'es en train d'avancer? Non, moi, je... Je vais y arriver pour nous, chérie. Je vais y arriver pour nous. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Oh, fais-moi confiance, mais pas trop. En vrai, prie pour moi. Je suis en train de faire des moves, mais moi je suis J'entends en pas courant. Trop ce que tu dis. Ouais, c'est vrai, c'est très fort. Ok. Mais il y a des lumières sous les portes, c'est bizarre. Est-ce que c'est à l'infini ou c'est comment cette histoire? T'imagines, je retombe sur le mec. C'est trop, chérie. Mais je crois que je vais y arriver. Je suis vraiment pas sûr. Là. Ah, mais toi, il t'a eu? Ouais, moi je te regarde. Par contre, mon perso, il a des capacités en parcours incroyables. Hein. Ah, c'est fini, chérie, c'est fini. Oui, Galette, il est où? Mais vas-y, wesh. Je sais pas, j'ai envie de le narguer un peu. Ah, regarde, il est là. Salut, ma petite gueule. Ouais. Mais chérie, tu vas perdre. La vie, maman, tu vas perdre. T'inquiète, chérie, regarde. Voilà. J'avais l'impression que c'était interminable. Il était facile en vrai, je vais pas te mentir, c'était facile, mais interminable. En fait, c'est angoissant, t'as l'impression que peu importe où tu vas, c'est pas le bon endroit. Moi, je suis en prison, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, c'est trop intriguant, j'ai envie de faire le truc jusqu'à la fin. Je crois que là, on a fait 5-6 niveaux. Ok, c'est quoi ça, Daily News? Ah, c'est Daily Bugle. On est dans le Daily Bugle, je t'ai dit, chérie, c'est multivers, c'est une dinguerie. Aïe. J'espère que là, on n'aura pas un monstre très très méchant, quoi. Ça risque d'être compliqué, déjà, il y a un bouton vert là-bas. Ah non, je crois, on peut pas le cliquer celui-là. Ça, c'est vraiment.
vraiment une porte à ouvrir, mais je suppose on doit découvrir comment, tu vois. Putain, mais je regrette pas qu'on ait acheté les améliorations. Ah, sans ça, on aurait galère sa mère. Hein. Ah, il y a une porte bleue ici, chérie. Il y a un code à mettre. Mais ouais, il y a un code, je suppose on doit le trouver, mais... Ça ah, va... c'est peut-être sur les post-it, hein. Attends, là, regarde, il y a une boule qu'on peut prendre. Mais comment on fait pour l'attraper? Parce que j'ai vu une boule bleue avant, ouverte, et je savais pas comment l'attraper. Je sais pas, j'arrive pas à l'attraper. Moi non plus. Je sais même pas de quoi il s'agit, hein. Tu penses on peut faire un truc avec la cam? Genre, elle a un code QR? Non. C'est des numéros qu'il faut mettre ou c'est des couleurs? Ah, carrément, on peut écrire. Ça peut être des chiffres comme ça peut être des lettres. Ah, et regarde, il y a l'écran. Oui, voilà, voilà. En fait, chaque couleur, ça a une. Ça correspond à un chiffre ou. Non, pardon. Ouais, un chiffre, exactement, tu vois. Ah, tu regardes, il y a un post-it là. On peut le prendre. Alors, code 213213. Voilà, tu peux me répéter, s'il te plaît? 2 ouais. 1 3 2 1 3 2 1 3. Ça me dit non. C'est bizarre. Peut-être que j'ai fait de la merde. En fait, le code, ça va être dans l'ordre du nombre de boules qu'on trouve, c'est ça? Ça veut dire le nombre de boules rouges. Ah bah oui, c'est ça en fait. Regarde, ça dit priorité 1, priorité 2, priorité 3. Ça veut dire le nombre de boules rouges qu'on trouve. Si on en trouve, on met le nombre de boules. Bah en fait, c'est grave ça. Bah je les ai déjà notés ça depuis. Mais pourquoi il y a un x2, x3, x1? Ah! On est trop bêtes. Quoi? Alors je vais te dire c'est quoi le code avant. Ok, essaye 1, 2, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 2, 1, 2, 3. Erreur. Ah non, attends. 2, 1. Ah bah rouge. C'est ça chérie, regarde, c'est ça. C'est comme attends, sur attends, le post-it. Attends, 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 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Essaye 1, 2, 2, 1, 4, 6. 1, 2, 2, 1, 4, 6. Erreur. En fait chérie, il faut faire du coup à chaque fois la couleur et la quantité. Ou plutôt la quantité et la couleur, tu vois. Et t'as compté combien de orange, combien de bleu, combien de vert. Déjà, il n'y a pas de bleu. Bah s'il n'y a pas, on le met pas dans le code, tu vois. Donc on a compté combien de trucs? De trucs, c'est-à-dire. Combien de boules rouges? Il y en a une seule. Ouais, il y en a donc une seule. Donc c'est 1, 1. Vert, il y en a 2. Ouais. Donc 2, 2. Et gris, il y en a une. Donc c'est 1, 4. Et ensuite, orange, il y en a 2. Il y en a 2. 2, 7. C'est bon. Et c'est 1550. On l'a fait comme des boss, ma gueule. Un jeu Roblox qui va nous faire peur. Mais bon, je t'avoue, j'aurais préféré autre chose comme casse-tête, si tu vois ce que je veux dire. Bon. On va dans quel côté? On va passer par là, je suppose. Je vois plus rien. Non, mais là, c'est compliqué. je mets la flashlight. Voilà, je voyais plus rien. Attends, faut pas qu'on se perde. Oh, mais c'est trop bizarre, wesh. Pourquoi il y a des endroits comme ça? Tu crois que c'est serré de fou? Oh, il y a une échelle ici. Je sais pas si ça va. Ça... C'est une vente. Cette aventure Roblox avec toi, chérie. C'est un délice, Ola. C'est quoi ça? Par contre, c'est normal que je vais lentement. Bah, parce qu'il faut se baisser. Là, c'est bon, tu peux te mettre plus haut. Bah, toi, au pire, avance, avance. Tu vois, tu vas arriver à la fin du niveau, je pense, et on va gagner. Hein. De toute manière, si c'est juste la vente, bon, on a vu plus intéressant que ça. Non, c'est pas juste la vente. Attends, t'es loin de moi, là? Parce que quand non, je non. scanne, je te trouve pas. Ah, c'est bon. Et, ça sort de la vente après, j'espère. Hein. Oui, oui. Oh, du coup, ça nous ramène sur cette pièce. Ok, je peux enfin marcher tranquille, ça fait plaisir. T'as un autre code? Oh non. Qu'il faut avoir mémorisé genre les trucs. Si bah non. Attends, c'est quoi ce truc? Level 0. Je comprends pas. Là, j'ai ouvert un livre. Ah bah je suppose c'est dans le livre en fait. Mais qu'est-ce que ça va me dire? Franchement... Est-ce qu'on rate un truc là? Ah, il y a un autre livre là. Research, c'est quoi ça? Oh putain, il y a plein de codes, chérie. Comment on va faire? Est-ce que tu peux me les dire, s'il te plaît? Faut essayer un des trucs, hein. Ça va aller vite, t'inquiète. Level 0, ça disait. Peut-être qu'il faut qu'on commence par un code avec 0. J'en sais rien. Vas-y, essaye 0400. Si c'est ça, c'est une dinguerie. 0312. Non. 0004. 0004. Oh, ça a marché! Je suis trop forte. Voilà, dinguerie! Bah, ça fait plaisir. On doit aller en haut? Ouais, j'espère que ça va pas me rebloquer comme tout à l'heure. Hein. Putain, je te jure, ça me le refait. Mais je crois que j'ai vraiment une grosse tête, hein. J'ai vraiment une grosse tête, parce que là, j'arrive pas à avancer normal. Ah, c'est là où on était avant. Mais moi, je suis buggée, en vrai, hein, parce que j'arrive à ne pas me baisser. Mais du coup, en fait, ma tête, elle sort du bain. Trop chelou, bah, moi, c'est pas ça. Hein. En attente de commande. Ah, il y a encore un truc à faire. CMD, yes. En attente de commande, on met Y. Alors, waiting for command. Donc là, ça met un chargement. Je connais CMD, ouais. Je connais sur Windows, tu veux lancer un truc et tout ça, tu vois ou pas? Tu veux hacker des gens. Booting complete, ouverture terminale. Ok, mais c'est quel terminal? Ah, regarde, regarde, chérie, il y a une petite ouverture là. Ah, ouais. Ah, et je crois que ça va ouvrir du coup une grille. La grille de tout à l'heure, tu vois ou pas? Tout ça pour ça, le niveau était éclaté, mais intéressant. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. C'est assez intéressant, tu vois. Ça veut dire vraiment une attention aux détails, j'ai envie de dire. Ouais! Bon.
C'est super. Et ça, je crois que c'était niveau 7. Et je crois qu'il y en a 9. Ils sont bizarres, ces livres. On a géré, en gros. Bah, vraiment, hein, vraiment, c'était pas mal. Finalement, on était là, ouais, on n'a pas assez de pièces pour des vies au cas où, mais on est même pas mort. Non, bah, en fait, il y a 9 vies à chaque fois que tu recommences. T'as pas besoin d'en racheter, quoi. Il n'y a que si vraiment, imaginons, t'as grave avancé dans un niveau et que tu veux pas avoir à tout recommencer, t'achètes des pièces pour un truc. Ah, chérie, il fait grave noir, il faut que tu fasses flashlight. Ok. Attends, c'est quoi ça? Là, c'est sûr qu'il y a des monstres. Ben oui, regarde juste le dessin. Je crois qu'il faut se cacher dans une vente ou. En plus, il y a grave des endroits où se cacher. Oh, chérie, je crois que ce niveau, il va être horrible. En tout cas, oublie pas de scanner. Bah oui, là, je fais que ça. Hein. Parce que j'ai envie de voir à quoi il ressemble. Je m'en fous d'être spoil. Oh là là, ça va être quoi cette fois-ci? Si tu trouves une feuille ou quoi. Et ouais, une fenêtre même. S'il y a un truc qui vient sur toi, cache-toi. Cache-toi direct dans une armoire ou j'en sais rien. Ah, c'est bon. C'est bon, je le vois. Fais T'es R. Fais R, regarde. Fais scan. Et normalement, tu vas le voir, il est en train de marcher un peu vénère. Putain, je le voyais, il est où? Je crois qu'il se téléporte. Est-ce que c'est un kémé comme. Ouais, c'est un kémé comme sur le dessin. Tu le vois là? Là, c'est bon, là, je le revois. Il a l'air de marcher un peu vite. Ah ouais. Tu le vois? Je te cache pas, il est pas si loin que ça, chérie. Et ça se voit, ça, c'est les gens pressés d'aller au boulot et tout, Msaken. Ils ont pas le temps de te parler. Ils sont grincheux, Msaken. Ils ont même pas pris le petit déj. C'est quoi la sortie? Ouais, je suis derrière toi. Ouais, j'aime pas du tout ça. Imagine, il se téléporte sur nos mères. Comment on fait? Quoi? Il est juste là, bébé. Ah ouais, je crois qu'il arrive vers nous. Oh putain, je l'entends faire un bruit bizarre. Mais là, on n'est pas dans une bonne pièce, chérie. Viens. Oh! Faut qu'on décale. Mais c'est un Yeti ou quoi? Oh chérie, c'est Sandman, mais version maudit. On dirait un mec de sable. C'est pas possible. Est-ce qu'on va se mettre au début du niveau quand on meurt? Ah bah non, bonne nouvelle. Je suis au tout début. Putain. Oh non, il va t'avoir. Ouais. Ah bah, la bonne nouvelle, je me dis s'il est occupé. Mais j'étais derrière un mur, frère. Comment il a s'il fait? S'il est occupé à te choper, peut-être que je peux en profiter pour courir dans tous les sens jusqu'à ce que j'arrive à trouver un truc. Oh, je suis tombé sur une nouvelle pièce. Il y a que des chaises, chérie. Je crois qu'il vient vers moi. Quoi, il y a que des chaises? Oh, je te jure, j'ai des frissons. Attends, il est dans la même pièce que moi ou pas? Non, ça va, il est loin. Je te vois même pas, putain. Je suis loin de ouf de toi. Je crois. En fait, j'ai trop cavale. Faut prendre le long couloir, en fait, tout à gauche de là où on commence. Ok. Et après, tu continues. De toute façon, là, ça me dit exit. Mais ce jeu, il est trop vicieux. Je sais que quand ça te dit exit, c'est pas du tout une sortie, en fait. Franchement, il a l'air compliqué. Genre. Je pense qu'on va perdre toutes nos vies dans ce niveau. Non, tranquille. Vraiment pas. Ouais, mais c'est trop chiant que je te vois pas, en fait. Je crois que je dois suivre la lumière, en fait, c'est ça. Oh putain, il est pas loin. Merde, il est chérie. Il est juste à côté de toi? Ouais, il est juste à côté de moi. Putain, c'est la merde, là. Je vais me cacher. Je me cache. Oh! Putain, même quand tu te caches, en fait, s'il t'a vu, c'est foutu. Oh la merde, je suis mort. Eh, il a l'air dur ce niveau. Ah, si on arrive à gagner. Ouais, je suis là où il y a les chaises. Bah, j'arrive. I'm here. Oh putain, il m'a vu. Il va encore me buter, chérie. Oh, j'ai eu trop de la chance. Ah, je suis là, je suis à côté de toi. Je sais, chérie. Viens, chérie. C'est où le truc des chaises? Mais il te voit. Non, arrête, il m'a pas vu. Enlève ta lampe. Ah, il je pense pas. C'est ça. Je pense qu'il faut enlever la lumière. Bah oui, trop bête. Et du coup, c'est où le truc des. Bah, je sais pas, là, on est dans le noir, je vois. Ouais, c'est quoi ce bruit? Eh, ça a fait un bruit qu'à ta YouTube, je te jure. Tu sais le mime de The Rock? Ça fait ça? Il est... Non. T'avais ta lumière? Mm-mm. T'as vu, il s'en fout. Mais il est venu sur moi complètement, en fait. Il est en train de marcher, c'est comme s'il était venu par hasard. En fait, je pense, lumière, pas lumière, il a aucune race. Hein. Ce monstre, c'est une merde. Je pense que c'est un mec comme ça. C'est un mec qui n'a pas de principe. Il m'a entendu, il est sur moi, je crois. Putain! Tu peux pas me lâcher, ma gueule? Oh! Ah, il m'a fait peur. Non, tu vois, je suis dans le noir, il fait rien. Par contre... Ah, ouais, il m'a vu. Je crois qu'il faut même pas scanner, hein, parce que c'est quand j'ai scanné qu'il m'a vu. Putain, je te dis, on va perdre toutes nos vies. Tu lâches rien. Bébé, faut vraiment qu'on cavale. Oh, le haram, il est juste là! Putain. À partir du moment où il nous a vu, c'est mort. Là, il m'a vu. Ne scanne pas, mets-toi dans l'ordre, mets-toi dans un coin. Ne scanne pas, ne fais rien. Faut pas scanner? Non, scanne pas, fais rien. Mais il est juste là! Putain, il m'a encore vu. C'est dégueulasse, on dirait qu'il m'explose ma tête. T'as entendu sang et tout. Tu penses qu'on devrait faire des trucs de diversion? Putain, mais tu sais que je suis dégoûté parce que je me disais, c'est bon, j'ai trouvé un truc avec des chaises et tout. Je me disais, c'est bon, tu vois. Genre, je pense que là, il y a une progression, tu vois. En fait, je crois que quand tu scannes, je pense que ça te donne ta position, ça lui donne ta position, je crois. Il fait trop chier, ça veut dire même avec les améliorations et tout, ça a rien. Oh, j'ai trouvé un truc. Putain, chérie, je suis arrivé au début de là où on était, j'ai envie de me buter. Ça veut dire que j'ai tourné en rond, tel Ahmar et... Bah, tu pouvais pas savoir. D'habitude, tu peux le dire, hein, j'ai un sens de l'orientation. Là, j'étais complètement paumé. Hein. Voilà, là, on est revenu au début, tu vois. On est arrivé au début. Ok, donc là, c'est le couloir de gauche.
C'est là qu'il faut prendre. Là. Normalement, j'avais pris ça, j'avais longé littéralement. Ouais, pareil, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste longé. Et au bout d'un moment, il faut aller à droite. Je crois que c'était à partir de là, tu vois. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que comme ça, on peut y arriver, sérieusement. Parce que tant que c'est tout droit, tout ça. Putain, je crois qu'on est revenu là, on était tout à l'heure, j'en ai marre. Comment j'ai fait tout à l'heure? Comment j'ai fait? Ça me rend fou, en fait. Tout à l'heure, j'y arrivais. Là, c'est que des impasses, ma gueule. C'est là. Oh, merci. Oh, t'es trop forte. Oh là là. Et en plus, je crois que quand on arrive ici, il se TP sur nous ou pas très loin. Il est là. Oh, il arrive sur nous. Tu vois, chérie, viens, on passe à gauche là. Mais là, il nous faut un checkpoint ou un truc comme ça. Là, il se presse d'arriver sur nous. Hein. Viens, on se cache là. Non, moi, je dis la solution. Viens, on part tout droit. Le plus loin de ce salopard. Enfin, je pense qu'il faut évoluer vite, sinon, on va se faire avoir. Mm. Et là, je pense qu'on est sur la bonne putain. Pardon. On est sur la bonne putain. J'essaye de scan pour voir où il est. Il est pas là. Ah. En tout cas, il est loin. J'essaye de savoir où est-ce qu'on est là. C'est dur. J'ai peur de revenir sur nos pas, tu vois ou pas. Ouais, mais c'est tout le but du jeu. Ben, c'est fait pour que tu reviennes sur tes pas et que ça te rende ouf. Bah ouais, mais on veut gagner, ma gueule. Faut dire aux développeurs, on veut gagner. On veut gagner, ma gueule. Voilà. Ah, il est là, et derrière nous. Putain, c'est vrai. En fait, décale à droite ou à gauche. Cache-toi dans une cabine. Viens avec moi. Tu vois où je suis? Regarde, je suis juste là. Tu peux peut-être rentrer. Hein. Non, je peux pas. Ok, je sors. Vas-y, toi prends. Ouais, t'étais très discrète, chérie. Hein. Très discrète, chérie. Oh. Moi, je suis en train de me dire, il faut suivre les lampes. C'est le seul truc distinctif dans cette partie du niveau. Les lampes? Ouais, les éclairages. Je pense que la lumière, littéralement, peut nous guider. Par contre, là, il est en train de nous téléguider. Oh, il arrive sur toi, chérie. Affirmatif. Bouge pas. Je te dis la vérité, je crois qu'il va me niquer. Hein. Il se barre. Ouais, il s'est barré. Oh. Attention, chérie. Ok, là, moi, je te dis vraiment, faut suivre la lumière. Franchement, pour moi, il n'y a rien d'autre. Il arrive sur quoi? Juste à côté. Ah, chérie, je vais faire mon plan et je te dis si ça marche. Hein. Je vais suivre l'élan. Et si j'en trouve plus, putain, je suis revenu au niveau des chaises, j'ai envie de me tuer. Hein. Franchement, j'ai envie de me buter là, chérie. Mais je sais pas pourquoi, je crois en nous. Il arrive sur ma gueule. Oh non. Oh, j'ai trouvé un truc exit, tu vois. Mais c'est toujours des pièges. Je cours, il est en train de me courser, je cours. En fait, je crois que c'est comme ça qu'on lui échappe, chérie. Je me suis mis dans un placard. Oh, j'ai fait un move de fou. Voilà, il était à 2 cm de ma gueule. Voilà, t'as géré. Moi, à chaque fois, je me fais choper par lui. Il y a une lumière verte. Là, chérie, je comprends pas. J'arrive. Et là, il y a une lumière rouge. Oh, j'arrive. C'est bon, chérie, j'ai trouvé. J'essaye de venir, bébé. Tu me vois là sur la map? Ouais. Voilà, tu gères. Tu gères, chérie, tu gères. Attends, je suis dans une impasse, faut que je contourne. Et à toi l'honneur. Alors, tu me dis ce que ça a fait. En fait, je t'ai ramené pour que tu sois cobaye. Attends, ouais. Normalement, tu fais ça et tu passes. Je sais pas où ça va nous emmener, par contre. Ok, là, on est sorti. Est-ce qu'on a fini le niveau? Ah, on est dans l'eau. Fais gaffe, remonte à la surface. Tu peux mourir sinon. Comment je fais? Je crois avec A enfoncé, tu vas remonter à la surface. De toute façon, là, on va arriver à un bord. Ah oui, c'est bon. T'es où? Ah, moi, je suis arrivé à la surface là. Bah, moi aussi. Mais t'es où? Ah, mais t'es de l'autre côté, carrément. T'es parti à l'opposé. J'ai paniqué dans l'eau. Là, on est dans un hammam, tu vois. Et là, il y a encore une lumière. Là, lumière verte, je sais pas ce que ça signifie. Oh là, ah, c'est ça, c'est pas la fenêtre là qui était dessinée. Ouais, franchement, je sais pas. Hein. Je pense qu'on aura un monstre là ou c'est comment. Oh, les toboggans sont trop mignons, je te jure. Je kiffe trop. Ok, Donc là, il y a une belle lumière. Ah, regarde, chérie, regarde là où je suis. C'est le truc qu'on a trouvé tout à l'heure dans le deuxième niveau. Ah, ouais. Je sais pas ce que c'est, il y en a 2 sur 8. Bon là, je sais pas à quoi ça sert. Là, je suppose on va essayer de voir les recoins. Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce que... Il était compliqué le niveau d'avant. Hein. Mm. Ah, je me dis, c'est pas ce niveau-là qui va nous faire peur, quoi. Une sorte de piscine municipale chelou, là. Mais ouais, on dirait qu'il y a que dalle, là. En fait, la lumière verte, tu crois pas on peut l'activer, faire un truc? C'est bizarre. Ah, attends, je vais essayer d'appuyer dessus. Vas-y, ça sert à R. Hein. Tu penses que c'est la fin du jeu? J'ai aucune idée, je sais pas. Ah, peut-être faut aller dans l'eau, non? Du coup, chérie, je crois qu'il faut se barrer par un bassin. Ben ouais, c'est pour ça que j'essaye de plonger dedans. Ouais. Je pense qu'on peut se tailler par un des bassins parce que là, attends, là je vais dans celui-là. On a que dalle là. Ouais, on a fait les autres niveaux là. Celui-là, ça devrait être du gâteau quoi. Bon, des fois, c'est pas parce qu'il y a des monstres que tu as galéré ou quoi. Sinon, dans le bassin, le grand bassin, il y avait quoi dedans? Nous, on s'est échappé par peur de l'eau. C'est les toboggans. Fallait rentrer dedans. Je suis dans une autre pièce. Ah ouais? Bah ouais, je me suis dit, les toboggans, ils sont pas là pour rien. On est sur un parking de BG, là. Mais les toboggans, ils étaient tout petits. On pouvait pas rentrer dedans, wesh. Ouais, mais en fait, fallait se baisser. Dans... Mais non, fallait être moins gros que moi. Ça me dégoûte, je te jure, c'est ça. Ah putain, là, je voyais des placards. Ça veut dire qu'il va y avoir des monstres, ça me saoule. Non, c'est que c'est pour ranger les affaires, vraiment. En fait, c'est généreux de la part du développeur. Donc ouais, le parking, tranquille, ma gueule. Ouais, j'ai déjà connu pire que ça. Là. Le plus chiant dans le parking, c'est quand tu dois payer en sortant, tu vois ou pas? Viens.
Viens. Ouais, c'est quoi ça? Il y a un truc là. Ah, faut trouver une belle clé. Une belle petite clé. Putain, je crois qu'il y aura un monstre, hein, effectivement. Viens, on fait tout le tour déjà. Tu penses qu'on peut trouver une clé au niveau d'une voiture? Si on trouve une voiture, mais ça m'étonnerait qu'on trouve une voiture. Mais c'est énorme, putain de sa mère. Ah, il y a un truc stop ici. Attends, ça dit quoi? Oh non, chérie, il y aura encore un monstre. Pourquoi? Je crois non, le même déjà, monstre. Il y a les placards. Tu sais le même monstre que tout à l'heure, parce que là j'ai trouvé le dessin. Le même dessin que tout à l'heure, plus ou moins. Sauf que viens, c'était juste nous cachés dans un placard, quoi. Viens, putain, il y a encore ici. Là. Chérie, j'entends un truc. C'est moi qui essaye d'ouvrir une porte. Non, 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 c'est pas toi qui essaie d'ouvrir une porte, je te jure. T'es où, wesh? Oh, chérie, c'est le monstre de tout à l'heure. Tu vois, dans le truc dans les chambres et tout. Et bref, c'est moi qui a gagné à la fin, entre guillemets. Bah, dis-toi qu'il y en a un par personne. Il y en a deux là, comme ça. Ils sont géants, chérie. Là, je te jure, c'est, je sais pas comment on va faire ce niveau. Ah non, celui-là, il a l'air chaud, je vais pas te mentir. Mais putain, fais gaffe, il y en a un là où tu vas. Hein. Mais par contre, les clés, frère, on est trop gros. C'est pas clair, faut voir par terre, tu crois? Parce que je crois qu'eux, s'ils nous voient, c'est la merde. Ah, c'est bon, j'ai trouvé une clé. Bah, il y a deux portes. Hein. Deux portes? Bah, c'est bon, ça devrait aller vite en vrai. Faut trouver les autres armoires. Non, moi, chérie, je te le dis, je le sens bien. Mais les armoires, elles sont où? Moi, je trouve que des casiers, là. Ouais, c'est les casiers, je veux dire. Ah, c'est dans les casiers qu'il y a les clés? C'est sur les casiers. Sur les casiers? Ouais, sur, ça veut dire devant, c'est collé. Non, moi, je pense que ça va le faire, là. Faut juste explorer un peu, essayer d'éviter leur grande gueule. Tu m'as dit, c'est devant les casiers. Sur les casiers. Ah, en fait, chérie, j'ai capté. Ils nous attendent jusqu'à qu'on ouvre les portes. Quand on va ouvrir les portes, ils vont nous courser. C'est verrouillé, ça me dit. Pourquoi c'est verrouillé? J'ai ouvert le cadenas, j'ai enlevé. Il y en a une clé là. Oh, le fils de timp. Quoi? Il m'a trop fait peur. Chérie, il m'a trop fait peur. Tu l'as vu dans le noir? C'est quoi ce bruit? Mais oui, dans le noir en fait. Mais je crois que c'est juste une photo quoi. Oh putain, il vient de sortir. Hein. Il t'es fait où? Trop peur. Il y en a deux qui arrivent sur nos murs. En fait, là, dis-toi, j'ai trouvé une deuxième clé. Et faut juste que j'aille à l'autre bout de la map, je crois. Attends, j'essaie de trouver. Putain, c'est trop grand en fait. Ouais, c'est trop grand, c'est immense. Mais tu sais qu'il m'a trop fait peur. Je me suis retourné. Dans le noir en fait, il était là. Mais est-ce que tu les entends là? En fait, là, j'ai ouvert une autre porte encore. Enfin, j'ai ouvert. Je crois qu'il y a quatre portes, chérie. Pour s'échapper ouais, du parking. Il y en a un dans chaque coin. Là, t'es devant une des portes. Là j'essaie de te trouver. Ah, c'est toi qui as sifflé là? Non, c'était pas moi, mais là c'est moi je siffle. Putain, mais quand je scanne ça fait rien. Bah parce qu'on est trop loin l'un de l'autre. Je suis à côté de l'un d'entre eux là, je crois. Ok, bah l'un d'entre eux du monstre ou Ouais. Oh, il y a une lumière rouge ici, trop bizarre. Une lumière rouge? Ouais. Ok, j'ai rechopé une clé, chérie, je sais pas si c'est la fin. Eh voilà, ce niveau il est dégueulasse. Ah ouais, je suis là où t'as enlevé le cadenas. Non. Ouais, mais ce qui Oh, la vie de ma mère, ça m'a fait trop peur. Mais attends, il t'a surpris d'un coup? Mais en fait, il m'a pas chopé, je suis pas morte ou quoi? Comment ça, il t'a pas chopé? Il m'a pas chopé, c'est juste que je me suis retournée, il était derrière moi. Ah, il était dans le noir? Non, il était genre avec une lumière violette bizarre. C'est bon! Ah, mais c'est bon! J'ai ouvert! Je sais pas, ça m'a fait un truc trop bizarre. Je suis trop désolé, wallah. Oh putain, la pauvre, ça m'a fait de la peine, je te jure. Mais du coup, là, on est dans un musée ou quoi? C'est quoi ce bordel, frère? C'est peut-être un teaser pour truc, parce que là, on a fait les 9 niveaux, et je pense qu'on n'aura pas un autre. Là, c'est quoi? C'est un local Amazon, je crois. T'allais dire un local à mozzarella. Oh, c'est pas mal aussi. À continuer. Ouais. Bah, franchement, c'était bien au final. Bon, le début, il était galère. Ouais, mais... le début était galère et assez chiant, quoi. Mais franchement, il y a du travail. Hein. Il y a du travail, il y a de l'ambiance. En fait, c'était très joli. C'est vraiment un kiff, la vérité. Bon. Si vous avez des jeux, que ce soit d'horreur sur Roblox ou des jeux sympas à faire à plusieurs, dites-le moi. Et je pense que NRA et moi, on va débarquer sur ce jeu à nouveau, quoi. Abonnez-vous à la chaîne de ma chérie. Inch'Allah, un jour, elle sort une vidéo. Non, c'est pas la peine. Si, on sait jamais. Prenez soin de vous, les chenillons. Peace. Miaou.